Salut, salut, bel bonjour, bel bonsoir tout le monde, bah, tous les téléspectateurs, bah, tous les téléspectatrices, c'est pas ni ordre, hein, nous tout le monde égal. Alors, nous, quand on a salué particulièrement les gens qui ont joint nous, qui ont, comme d'habitude, hein, supporté nous, c'est manière d'aider nous, de dire nous que bah, là, bien, ils ont appris des bagages, nous avons dit nous, merci pour le soutien que vous avez porté à nous. Vous avez dit aussi, vous avez des thèmes aussi que vous avez développés, mais si vous avez venu aussi pour tes graines, ne pas ni pièce. Problème, il ne faut pas courir nous inviter, il faut que vous venez au contraire, puisque ni en temps, il faut que ben, là, c'est un cycle, c'est aller et aller, il faut que nous puissions trouver d'autres monde hein, qui ont fait émission, qui ont soulevé des problèmes, qui ont relativisé peut-être des bagailles, pour qu'ensemble nous allions encore plus devant. Donc, merci pour tout. Et en particulier, bonsoir ben, madame qui contactait nous, madame Bellefontaine, ne m'a pas oublié, ne m'a pas paniqué, ce problème de ça. Et puis, bon voilà, nous l'épisode. Nous qui dit Miss Josiane Damou, un bel petit bonjour, bel petit bonsoir, bonsoir Josiane. Alors, ma carré pour nous, bonsoir. Bonsoir pour nous, bonsoir. Déjà les plateaux. Hein. Et puis, ma relevé en titre. Une petite explication d'amour, puisque m'entend mon kadi autour de moi que c'est un mot de galvaudé. Donc, c'est à ce distance, ça veut dire galvaudé. Alors, moi, Lisa, lorsque les liens se tissent, que l'on peut accorder sa confiance et rester soi-même, c'est ça l'amour. Et qu'est-ce qui va naître? Une complicité, et cette complicité, c'est le ciment de nos relations. Alors, je ne vais pas y point, puisque Roland a dit merci à tout le monde qui a soutenu nous, et ça m'a ajouté, et c'est ça, l'amour. Voilà. Ok. Belle bonsoir encore, Josiane. Bonsoir, Mr. Président de l'UPM. Des parents d'élèves et des parents et d'étudiants. De Martinique. Voilà. En tout cas, un bel bonsoir. Merci, un bel bonsoir. Et puis, un bel bonsoir à la famille, à tous les camarades, les amis, à tout le monde qui a joué nous en la rue, qui a encouragé nous. En tout cas, nous comptons nous là. Peut-être des fois, nous avons fait des tissus, un jour, nous pas là. Nous pouvons pas être là un jour, et puis un jour, tous les jours, nous sommes là quand même, assez souvent. En tout cas, si ça m'était dit, et puis pour aller dans pour Josiane, on m'a dit que mais quoi il y a un fleuve, il va créer amour. Mm-hmm. Et bien, pour préconiser que nous faisons un fleuve d'amour en Martinique. Voilà. Et dans le monde. C'est sûr, il y a l'air, normalement, hein, l'amour, normalement, c'est ça qui était pour être douvant, mais uh-huh. Pas vrai que non. Oui, tout à fait. Il mettait d'autres bagailles douvant, il mettait l'argent et puis les désordres douvant, donc peut-être que nous l'argent, le plaisir immédiat, et voilà. Peut-être que nous c'est ça, le projet, ça va être de renverser pour qu'on retrouve l'humanité, parce que c'est ça le problème, là, nous avons déshumanisé, quoi, nous avons fait un petit peu en l'eau, n'importe quoi. Donc, là où Soya nous a abordé un sujet, alors, on a dit qu'il était alarmé Claude, mais Claude a dit que ça n'a pas alarmé parce qu'il a dépassé ce stade d'alarmé, il a parlé de ça. Allons-y, Claude. Alors, on va parler, tu donnes le sujet? Oui, on peut l'en dire, nous voilà, nous avons parlé de questions de niveau. Ils ont fait les résultats, ils ont fait d'évaluation 7e et 6e, là, on va alors, parler de ça. Alors, il faut peut-être nous expliquer, ça veut dire qui ça fait évaluation, parce que tout le monde n'a pas ça, c'est-à-dire que l'eau est arrivée depuis quelques années, hein. En sixième, il y a eu un café septième, elle a passé des tests l'école, il y a eu sa évaluation, et ces tests-là, c'est les mêmes que il y a eu tout partout en France et alentour de la France, tous les pays français qui apprennent même évaluation, et puis il y a eu miséré, où à partir des scores, il y a eu fait un classement. Et donc, c'est à partir de ces résultats. 820 000 timambayes, il y a eu plusieurs millions de timambayes, mais en tout cas, il fait cela en les 820 000 timambayes en disant. C'est vraiment un échantillon, un panel, un échantillon qui est quand même représentatif de la situation. Non. Donc, je fais ça à la rentrée en septembre. Hein, donc, je vais publier les résultats. Mm. Et nous, tu as posé ma question, mais elle a dit ça, mais nous avons abordé en l'autre plan, puisque nous avons évoqué ça. 30%, plus de 30% des étudiants là, qui sont Martinique, la Guadeloupe, généralement dans les pays qui parlent en Europe, là, ils ont en difficulté de lecture. Contre 6% à Paris.
Alors, m'a reposé ma question, ma pas n'y a rien contre les Parisiens, ma pas n'y a rien contre personne, hein. Moi, pas de nature à une velléité personnelle contre qui que ce soit. Non, mais m'a dit, Pucci, m'a posé question, Pucci, c'est toujours Paris qui est devant. Pucci, m'a pas ça, mais Pucci, n'est pas arrivé devant, Pucci, Bordeaux, peut pas un jour devant, Pucci, Marseille, peut pas être un jour devant, Pucci, en notre grande ville, bon, au Guadeloupe, des côtés, ni des côtés, ni des grandes écoles, Pucci, c'est les villes là, pas qu'à devant aussi. Et alors, vous pensez que la Martinique peut pas être devant? Pour la Martinique peut pas être devant, puis la Guadeloupe, la Réunion, n'importe quoi. Alors, je vais poser ma les question. Les Outre-mer? Alors, je vais poser ma question. Est-ce que c'est un maïs de Paris à une capacité supérieure à toutes ces autres maïs de la France? Non, pas ça. Peut-être, hein, peut-être que Paris n'y a un génie particulier, hein, peut-être que. Il y a un bagage, il y a un bagage. C'est dans l'air. Qui... dans l'air parisien. Oui, c'est dans l'air parisien. Il peut y avoir un phénomène là. Que nous passons, mais magique qui a fait ta manière. Mais on a dit ça, mais en même temps, on a dit, mais non, on a dit peut-être que ce n'est pas vraiment ça. Peut-être que tout simplement, c'est parce que c'est, généralement, c'est les Parisiens qui appellent les programmes scolaires. Tout simplement. Le système éducatif, ben, là, jacobin, tout ben, là, centralisé, on dit dans Ville-Tala, tout ça, toutes les décisions qu'il a prises. Donc, tout modèle éducatif là, qui a basé quoi, effectivement, en les modèles parisiens, hein, visite des musées, et toute bagarre, on est en vraiment la culture, vraiment, hein, Paris, c'est quand même une ville riche. Donc, ben, il a apporté, tout est bien apporté. Donc, il a construit tout système éducatif là, en l'air, un dispositif qui a apporté de meilleur, c'est normal, mm-hmm. On ne peut pas en vouloir mieux. Il faut faire un bagarre, pourquoi faire, et puis, ça, on est en bas en main. On est tout bien en bas en main, ben. Mais nous, on est en bas en main, non, oui, non, mais nous, pas qu'à faire programme. Nous, musée, nous, ni bibliothèque. C'est pas nous qui avons fait programme là. C'est pas attends, nous qui avons le programme. Nous, ni musée, nous, ni bibliothèque, parce qu'on parle de musée. Il parlait de fait programme. Mais je ne parle pas de fait programme là. C'est-à-dire, c'est vous qui avez développé. On est toute matière là, donc on a construit le programme là, tout dispositif là, qui a basé en les ressources là, qui a disposé en balanement là, qui a servi de modèle, tout simplement. Peut-être que. Mais les gars, ils ont dit ça, puis ils analysent, mais bon, voilà, comme quand même, bien, mais ils analysent, c'est quoi là. Mais on a dit, c'est pas ça, c'est mon analyse, c'est moi qui réflexion, moi qui l'a. Donc, est-ce qu'on aura pensé, moi, sincèrement, peut-être que le biais du système éducatif français peut-être vient de là. Donc, il faudrait que nous, l'UPEM, nous prenions langue, et puis c'est Mamaï la Guadeloupe, Mamaï Saint-Martin, Mamaï la Guyane, pour nous voir qui m'en y est. Nous avons rentré dans un dispositif là de le Conseil de l'éducation nationale. C'est là qu'on a construit ces programmes, c'est là qu'on a mis les méthodes pour que nous, ces territoires-là, nous envoient peut-être plus fort dans un dispositif là pour nous intégrer plus de dimensions territoriales-là, ces territoires-là, en dans le système éducatif-là. Donc peut-être que c'est là aussi un élément, parce que je n'ai pas qu'à penser qu'il y a une magie pour les petits Parisiens et puis il y a. Il n'y a pas ça, mais il y a un malheur pour les autres qui ne sont pas parisiens. Donc, je pense qu'il y a un bagage pour nous analyser là. Il faudrait que les méthodes, que les moyens, les méthodes et les contenus soient vraiment adaptés à l'ensemble du territoire ou bien soient vraiment, organisés de manière territoriale. Parce qu'on ne peut pas avoir un modèle unique qui produit une telle dérive. Donc, il faudrait être là vraiment. Élargi quoi. Donc c'est ça que j'ai dit par rapport aux gens. C'est pour dire que je ne m'ai pas tellement alarmé, parce que mes alarmes depuis longtemps, hein, parce que nous avons dit ça depuis 20 ans, 30 ans, depuis Malupem, nous avons goûté contre une paquette de sexe scolaire, quoi, contre le manque de réussite des élèves, et nous avons goûté pour l'excellence éducative. Donc l'excellence pour nous, c'est que tout le monde maïe peut réussir, et puis en fonction des capacités de sa nounie. Et puis deuxième point aussi, peut-être aussi une autre magie aussi, hein. Je vais évoquer un autre bail, parce que je vais faire l'appui et le beau temps. C'est moi qui a décidé, dit ça, je vais penser. C'est qui est le chef. Non, allez, vas-y, continue. Deuxième théorie, c'est que peut-être que c'est mon pari. Il prend conscience que l'éducation, c'est en priorité. Tu rêves, toi. Ah, mais pas ça, moi. En tout cas, peut-être les autres territoires n'ont pas la même conscience. Mais pas ça, mais pour quoi toujours, on est en constante. On dit dans le système là, depuis des années, nous avons regardé, ben, il y a un invariant où toujours on est en ville, où toujours on est en lieu qui a dominé par rapport à un modèle national, alors que tout le monde a ni même bagaille là. Donc il faut trouver cause là, et puis si cause là c'est une bonne cause, on nous servit. Si c'est une cause qui est en biais, eh bien, nous tirer biais avec Adam. Oui, on ne peut pas reprocher à Claude, n'est-ce pas, de chercher par tout biais, toute possibilité pour des éléments d'analyse, puisqu'il n'y a un problème. Mais oui, donc, mais de toutes les façons, il faut chercher les causes, le pucci de chaque bagaille là. Est-ce que, bon,
le fait que Paris, que c'est eux même qui a fait les programmes, donc à la limite, ils ont fait le bacon, ils ont fait le bacon. Non, ils ont fait le bacon, ils ont fait le bacon. En tout cas, ils ont favorisé, puisque ils ont sorti pour eux, mais d'après ça, ça on va comprendre. Nous avons dit, putain, c'est eux qui sont premiers. Il y a 10 000 raisons. Il y a 10 000 raisons, ça, c'est des bagailles à décortiquer. Je vais donner à Josiane la parole. Dans le pourquoi le constat toujours? Alors, moi, en ce moment, mon d'accord et puis club, les autres départements qui travaillent. Parce que je constate même bagaille que nous. Je ne vais pas parler des autres départements, que ce soit Nantes, que ce soit Bordeaux. Pour ne pas croire que c'est nous seuls qui en difficulté de français et de mathématiques. Ce n'est pas nous seuls qui en difficulté de français et de mathématiques. Même les territoires là, en dehors de Paris, comme on dit, ni d'autres. Alors, mon lit en bagaille, en journal d'octobre 2023. Alors, moi, il est rapidement, ça m'a trouvé, c'est à nous, dit nous pas d'accord ou pas d'accord. Mm-hmm. Parce que Adam a un problème. L'ennemi a un problème. Ni la solution. Et puis, nous avons fait peut-être des expériences. Et puis, nous avons pas si nous avons choisi, mais nous avons gardé Tala qui est plus porteur de réussite là. Alors, à ce journal, Tala Mathieu, la nature. Élément essentiel au développement des enfants et des jeunes. Ça, c'est des recherches qu'il y a là qu'a fait. Les écrans, la peur du risque, l'urbanisation, la diminution des espaces verts, etc. Les enfants sont toujours plus coupés de plus en plus coupés de la nature. Pour cause, chez nous, que ce soit en France ou ailleurs, c'est même bagaille là. Celle-ci n'est pas pensée comme prioritaire dans l'éducation. Partout dans le monde, des chercheurs affirment pourtant le contraire. L'accès régulier à la nature pourrait bien être une réponse à la situation alarmante que nous traversons, au mal-être infantile qui augmente, aux capacités de concentration qui déclinent, aux difficultés liées à la motivation et au rapport à la connaissance. Et les autrices... Alors, c'est le nouveau français. En font le pari, par le témoignage, parce que là, ce sont des chercheurs qui sont embêtés justement de cette diminution, de cet échec. Parce que pour ces chercheurs-là, c'est un échec de l'école. Mm-hmm. Donc, je m'arrête là pour le moment. Parce que c'est bien développé... Je peux citer au fur et à mesure quelques phrases, quelques explications de ce que je viens de lire. Parce que le titre de l'article, c'est « Culture et éducation mm-hmm. ». Oui. Mm-hmm. Alors là, nous devons qu'on nous laisse ça. Hein? Tu as dit que tout le monde est alarmé parce que, bon, niveau l'école, là, niveau scolaire, c'est toi-même là, KBC. Mais KBC. Ça, c'est pas bagaille qui a commencé aujourd'hui, hein? On est de plus, on est quand même plus simplement qui est allé à l'école par rapport aux années 1900. On est plus, ben, l'école a démocratisé quoi. À un moment donné, il tenait un bon niveau, aussi bien par exemple au niveau de l'orthographe, la rédaction, etc. On tenait des excellences, etc., etc. Et puis au fur et à mesure, il y a des réformes qui viennent, il y a des bagailles qui fait. Et niveau A, il y a donc niveau scolaire là, il baissait, et en particulier en mathématiques et puis en français. Et c'est français à café. Souvent les évaluations, parce que les pays qui ont misuré quoi, entre eux, pour regarder parmi oui. les autres pays dans le monde qui laissent le système qui a marché mieux que l'autre. Là. Mm-hmm. En tout cas, nous savons que globalement, ces Japonais n'ont pas, mais ils n'ont pas mauvais du tout, ils n'ont pas manchot de pièces, ils ont une bonne place sur le plan. La Corée, la Finlande. La Chine pas mauvais non plus. La Finlande, la Suède, au niveau des résultats, la Finlande et l'Europe du Nord, là, ils ont. Des bons résultats, c'est un système qui est différent. Qui est différent. Donc, il faut que ça, c'est ce que c'est au niveau de système là, qui ça qui pas qu'à aller, qui ça qui n'y a amélioré. Parce que là, nous, quand on parle d'échec scolaire, de baisse du niveau scolaire, il y a un low factor. C'est-à-dire que nous pouvons dire, bon, c'est à cause de cette maman là, parce qu'ils n'ont pas assez motivé, parce que c'est ça.
Nous peut dire que c'est pas à cause des parents, ça va pas tarder à sortir de toute façon. Nous peut dire ça à cause des enseignants parce qu'ils sont pas formés et puis ils ont fait la grève et patiti patata. Nous peut dire à cause de un système de l'éducation nationale, un système de société aussi qui est basé à sous en société qui est inégale et puis qui a essayé par le biais de l'école mettre des égalités. Ça c'est un bagage qui est extrêmement difficile à faire. Alors quoi garder il y a un système et si le budget de l'éducation nationale qui a baissé au fur et à mesure. Et puis, moun qui a fait l'étonner, il a étonné de constater que le bon, niveau scolaire là, qui a baissé. Donc, il faut qu'à un moment donné, nous tirer les bonnes conclusions, nous poser y en à côté l'autre, les différents éléments, et puis garder comment nous peut. Parce que le constat n'est pas difficile. Le constat n'est pas difficile. Est-ce qu'à partir de chaque constat, nous pouvons mettre à côté en proposition pour que les bagages améliorent? Mais en tout cas, un constat, le niveau scolaire, il a baissé et moun besoin que, sur le plan culturel, l'humain a besoin d'évoluer, d'augmenter ses capacités au lieu que c'est baissé et qu'a baissé. Alors, ça, mais, alors mon cas disant pour répondre à Claude et pas Claude. Hollande. Hollande. Oui. Ça, c'est, et ça a été bien dit, ça c'est au niveau des chercheurs, hein, parce que là, il dit de tous les pays. Il y a cherché, il y a essayé. C'est pour ne pas alarmer nous trop, qu'on dit, parce que il y a cherché. Qui ça? Qui ça pour faire? Puisque là, ils savent qu'il y a un problème. Mais tout problème, il y a une solution. Donc il faut qu'ils trouvent une solution. Alors, chercheur Tala, qui a dit, nous, lui, l'essentiel, chercheur Tala, qui a dit, emmener les enfants dehors. Et cela s'adresse à tous les enfants. Alors, il a dit pourquoi. Nous savons aujourd'hui que la majorité des enfants occidentaux, c'est ça, chercheur l'Acadie, des enfants occidentaux, vivent de moins en moins de temps dehors, en compagnie des vivants. Alors, parce que pour eux, alors, à la maison où l'on a passé dans la salle-là, et M. Mion-là, mort. Alors que l'on dehors, ça qu'a vivre. Oh, c'est maman et nous, c'est des êtres vivants. Ils ne sont pas morts. Alors, il y a qu'à dire comme ça, alors, qu'ils grandissent en ville ou en milieu rural, le constat est le même. Pourtant, la nature favorise un bon développement psychique et cérébral dès le plus jeune âge. Les enfants en contact régulier avec la nature ont moins de problèmes de concentration et sont moins victimes de maladies mentales plus tard dans leur vie. C'est ça, chercheur Tala qui a dit. Ah, il est donc devenu aujourd'hui primordial de développer la relation de l'enfant à la nature dans son quotidien de vie, dans la cité comme dans le village, en famille, mais aussi à l'école. Ces dernières décennies, les modes de vie et d'organisation des sociétés industrielles ont favorisé la sédentarité et l'appauvrissement des expériences de nature. Alors, pour eux, je me suis pensé que c'est un moment là, il n'y a pas qu'à bouger trop. Bouger trop. Il y a là, il y a là, il y a. Et puis, il y a peut-être d'ouvrir les yeux et puis à ce smartphone. Voilà. Nous savons ça. Et alors, donc, nos relations intimes à l'environnement diminuent de génération en génération. Et le souci porté à la nature s'amenuise. C'est ça, chercheur Tala. Voilà, certainement, chercheur Tala, il était dans sur le plan écologique qui a, voilà, dit que bon. Si nous, dans la nature, ça t'est mieux que le fait d'éloigner trop de la nature. Mais, donc, si ça, c'est en thèse. Si c'est un bel landais, en partie, mais on pourrait baser les modèles de là. Ou si c'est un landais, peut-être que ça correspond à ça. Oui. Oui. Parce que même quoi, dans les années 70, c'est un landais, il était entré dans une massification de l'école et puis il était constaté que il n'y avait pas assez l'air dans ces établissements. L'air pollué, assez espace. Oui, alors, il a décidé, il a fait, c'est qu'on l'air, surtout pas dans l'été, il court à l'extérieur. Il dit, bon, il a fait l'école là-dehors, puisque
qu'on profite, il fait ce qu'il y a sorti, il fait sciences, biologie, des activités, des matières qu'on peut faire enseigner à l'extérieur, qu'on peut profiter pour, eh bien, il y a une matière que ça va marcher bien. Là, on va appliquer méthode là, fait ce qu'il y a travail à l'extérieur. C'est pas en sortie, mais tiens, mais il est l'école. C'est pas en sortie, c'est pas en amusement. C'est un plaisir, c'est pas un amusement. Voilà. Ça peut être un plaisir d'apprendre à ce moment-là. C'est pas un amusement, ça peut être un plaisir d'apprendre. Donc, c'est tiens, mais là, qu'à apprendre beaucoup plus facilement, qu'à apprendre beaucoup en lot bagaille, puisqu'il y a une interaction entre la nature et eux-mêmes. Donc, il n'y a pas là où on a des questions qui ont venu, on a des interactions qui ont faites, et puis ça a développé observation, intelligence, c'est tiens, là. Et puis, donc, il y a gardé. Modèle t'as là, ou quoi, regarde en Finlande, c'est jamais là, ou quoi, fait cours d'heure, là, ou paye, puis c'est là. Oui, pas obligé, régulièrement. Voilà, mais s'inscrit, voilà, dans ce programme. Dans le programme. Donc, c'est une des. Ça, c'est des pistes, hein. Ça, c'est des pistes. Hein. Hein. Et nous, ça, nous, combien de fois nous avons dit, il faut que ce soit jamais nous en sortie. Il faut dire, mais Saint-Anne, Monté, Grand Rivière. Vous dites, c'est pas des sorties, hein, mais même si tu as un peu de temps. Non, mais pas des sorties éducatives. Dans la cour, dans le jardin, tout partout. Saint-Anne même, hein, tu as dit, c'est pas obligatoirement. Oui, voilà, pas obligatoirement. Mais ça, comme tu dis, ça vaut bien aussi. Mais parce que c'est de la géographie. C'est découvert espace libre. Mais oui, c'est mais ça, oui. Côté Grand Rivière. Parce que des fois, comment de tu gênes, je suis des fois la télé, des petites questions à sous Grand Rivière ou Sainte-Anne. Ils ne pas savent. Mais des questions simples. Mmh. Ils ne pas savent. Voilà. Ils ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas se situer la Grand Rivière. Oh, ils ont un âge à dans l'école là. Normalement, ils étaient pour savoir ça. Des fois, ils ont posé des questions simples. On les lomaya, on les la forêt. Mais on a des petites. Tout tient même matinée, tu es pour s'en nager. Tout tient même matinée, tu es pour s'en nager. Tout tient même matinée, tu es pour qu'on ait en bagaille ni dans la meilleure, tout ces galants, mais nous ni l'arrivée, nous ni. Oui. Nous pouvons nous gagner en base d'apprentissage, quand même, naturel, qui est formidable. La nature, nous avons une richesse, nous ne pouvons pas exploiter. Nous ne pouvons pas exploiter. Nous enfermer fermer nous, on est dans des belles bâtiments, qui a fait chaud à présent. Ben, mais il a fait chaud. Mais actuellement, nous ne pouvons plus fermer. Il faut que nous climatisions. Il climatise, il ferme toute la journée. Il n'y a pas qu'à même dehors. Puisque non, toute la journée, ils ont fermé les choses. Non, mais nous avons dit ça. Peut-être aussi, hein, parce qu'il y a un autre facteur qui a peut-être fait Paris. Nous n'avons pas rigolé, mais pas rigolé. Je n'ai pas rigolé, mais je n'ai pas un genre de contradiction. Peut-être aussi Paris aussi, on est le côté financier, peut-être aussi c'est là une piste l'argent. Oui, mais tout à l'heure, nous ne pouvons pas aller des finances. Non, mais peut-être qu'il y a une organisation. Mm. Donc, là, en France aussi, on a regardé dans dispositif, ce système européen. Il y a un bail qui est quand même formidable, c'est la capacité de concentration des élèves. Quand en Europe, la trois quarts du temps en Europe, c'est un bail là, dans des bails fermés. Ils sont isolés, pas ni bruit, ou très peu de bruit. Mais nous, c'est dans les territoires tropicaux, tous les bâtiments sont ouverts. Donc ça veut dire, est-ce que les bâtiments que nous avons là, correspondent bien à l'objectif qu'il faut avoir pour la concentration des élèves, pour l'éducation. C'est des questions pour que nous posions de manière sérieuse. Attends. Hein? Là, on dit les bâtiments ouverts. Vous avez fermé ces bâtiments pour que nous constituions que tiens, la concentration. Est-ce que... Mais pas dit ça. Au contraire, ça veut dire non, mais pas dit ça. Mais pas dit ça. Mais pour bien expliquer, c'est que là, nous dit des bâtiments grands ouverts, nous dit salle de cours qui travaillent directement. On est l'autoroute là, ou quoi l'école dit long, là, bon, l'école dit long, ou quoi attendre c'est l'autoroute qui a passé. Toute la journée. Ou quoi attendre pimpom, toute la journée. C'est un maïla, ça a impacté que vous voulez, que vous parlez, ça a impacté la concentration de cet imam maïla. Alors que si on a un dispositif qui peut isoler de manière sonore, ou quand même, ou quand améliorer la capacité de concentration de cet imam maïla. Donc, ça veut dire aussi, que nous, architectes, nous réfléchissons en les bâtisses scolaires là. Il faut fermer, il faut trouver des manières, il faut trouver des lieux, et puis nous avons des paramètres, des bails fondamentaux. Ou quoi, par exemple, en l'école que je viens de connaître, c'est une école dans une commune, deuxième, pas une commune, non. L'école a été trouvée quoi, isolée. L'école a été dans un petit coin, un petit quartier, il était totalement isolé, tout bail était au frais, pas ni bruit, pas ni rien. Je dis à. L'école t'as là, qu'a trouvé quoi en mi-temps en cité. Oui. Hein? On a commis une faute France aussi, tu vois. Non, mais des fois faute France. Non, mais faute France aussi. Donc tu vois, l'urbanisation. Nous étions isolés, nous étions allés en monde, et puis après. Donc tu as une urbanisation. Donc l'école ne s'est pas déplacée, l'urbanisation est venue perturber l'école. Quand tu vois, il y a un collège au centre-ville aussi.
C'est un collège qui meurt sur un collège là, t'es là. Il y a un gros bâtiment qui est construit à côté. Il disait qu'en fait, je suis dans le collège là. Vous pensez que le gros bâtiment qui est à côté là, qui a amélioré les choses. Donc, des fois, nous avons des lieux scolaires qui là, et puis une urbanisation qui va venir rattraper. Donc, ça a perturbé le résultat de cet immeuble-là. Alors, là, c'est ça. Alors, parce que là, nous évoquons peut-être des causes possibles. Les causes possibles. Et puis après, possibles, les causes matérielles, les techniques. Possibles. Alors, se lier, être plus près de la nature. Uh-huh. Mais ça aussi, hein, ça veut Absolument. Dire que c'est un type d'organisation qui est différent. Des bâtiments plus adaptés, etc. Adapté, nous avons évoqué, allez-y, vas-y, Claude, tu avais d'autres propositions à faire. Ah non, mais bon, les parce méthodes... Parce qu'il faut que nous entrions dans le système lui-même aussi, à un moment oui, donné. Non, mais nous parlons des conditions économiques. C'est vrai que peut-être à Paris, on a des conditions économiques de vie meilleures. Hein, ça permet des revenus, parce que là, nous avons dans ces territoires-là, Martinique notamment, la moitié des établissements sont en zone en réseau d'éducation prioritaire. Ce qui veut dire que là, on fait des évaluations comme ça, on peut mettre des scores comme ça, mais il faut que mettez, faut comparer des bails qui sont comparables. Voilà, parce que si on mettez des côtés où on irait plus en majorité, à côté d'un côté qui est bon, le niveau scolaire, parce que socialement, les gens sont différents, tu es obligé d'être derrière. Je sais pas, parce qu'on t'a posé la question de Paris par rapport à Martinique, Guadeloupe, Mayotte ou... Non, c'est des réalités qui sont différentes sur le plan économique et social. Social, technique, climatique, en tout sens. Donc, comparons ce qui est comparable. Donc, il faut qu'on arrive à améliorer ça. Mais ça n'empêche pas aussi, faut que nous améliorions quand même dispositif nous. Il faut que nous améliorions accueil cet immeuble-là. Quand même, nous avons des efforts à faire malgré tout. Accueil cet immeuble-là, il faut que nous changions les méthodes. Hein. Les méthodes, les contenus aussi, ça c'est un bagage que nous pouvons faire Martinique. Hein, on parle d'adaptation, hein? Ça fait longtemps qu'on parle d'adaptation. Mais, il faut qu'on arrive à voilà. Et là, nous a dit, voilà, lorsque là nous a dit adaptation, ça ne veut pas dire que nous avons oublié tout ça, toutes mais les nous. Connaissances, toutes les cultures qui sont venues de l'étranger, mais nous avons prendre bon base là et puis nous avons ouvert en nous. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il y a des gens là qui ont parlé d'adaptation par rapport à ça, nous, à ça, nous, etc. Ça veut dire qu'on a bien situé. Mais là, ou quand on était au François, ou pas ça veut dire Grand Rivière, ou pas le monde est sorti au François pour Grand Rivière, ou pas passer facilement par Saint-Anne ou bien par cet esprit. Il y a un problème. Donc, intéressé qu'on nous a s'annouillé, à ça nous. Et puis, pour nous aller. En les affaires, éléments de mesure, là, pourquoi il y a un problème? Par exemple, le taux d'illettrisme. Moi, je me suis douté de Baïta. Moi, Baïta a rappelé mon père. 14% disent mon taux de lettrisme, quand on est 4 ou 5% ailleurs, ça me fait. Je suis très sceptique par rapport à ça. Pourquoi? Parce que des fois, le taux de lettrisme, il faut mesurer souvent en l'air, c'est jeûnant, en l'air la journée, citoyenne, c'est jeûnant. Ah oui. Oui. Alors, il faut que nous bien... Alors que, il faut poser des questions quand même, qui est assez européenne. Voilà. Là, il faut des étudiants en température négative. Ou dans les tropiques, comme il faut vraiment avoir un niveau culturel, un niveau technique, un niveau de formation physique, en physique, pour avoir une réponse instantanée à une température, comparer des températures, pourquoi parler de la vie de tous les jours? En Martinique, on ne peut jamais vivre en température négative. C'est quand même chaud, on ne peut jamais passer sous... Nous ne pouvons pas descendre en bas de 14 degrés. Ça ne fait partie de connaissances. Si tu ne sais pas ça, ça ne doit pas être un élément, je dirais, pénalisant. Voilà, pour après, il dit que nous sommes des illettrés. Nous sommes des illettrés, par exemple. Donc, il faut adapter l'élément de mesure, on y revient. À la réalité, à la situation. Parce que c'est très facile, à la limite, faire nous passer pour plus couillons, alors qu'en fait, les mesures, les bases là, de comparaison, sont faussées au départ. On ne peut pas comparer des bagailles qui parlent. Donc, il faut que nous gardions toute raison gardée, nous apporter des analyses possibles et imaginables pour améliorer la situation. Moi, d'accord, et puis mais en tout cas, je ne sais pas si ça pour faire, je n'ai pas ni... La baguette magique, mais mon type est embêté, je vais redire encore, les leçons de choses, pas qu'à fait encore. Parce que nous, dans mon télécole, mon petit, tenir un livre sur les leçons de choses. Oui, ça existe, c'est la science de vie. Science de vie. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais créer les leçons de choses. Alors,
comme toutes les bagailles ont changé, il faut que nous aussi, la Martinique, nous instruisons nous cherchons aussi, parce que il y a d'autres artistes en fond, non, qui là. D'autres artistes en fond, non. Mais je travaille en pinole, parce que il moderne. Parce que je ne vais pas rester, moi là, et puis je vais attendre, je vais venir dire, raconter. Ou bien dire ça, je vais apprendre ce smartphone, puisque avant, je vais aller dans le dictionnaire là. Jusqu'à présent, je vais aller dans le livre, ça, moi, mes livres. Mais je vais parler du minimum là. Et puis, nous allons chercher ça, sans pas comprendre. Vous voyez? Donc, il ne faut pas nous utiliser moderne et tout ces appareils modernes uniquement pour bon, pas ça, ça s'occupe, mais utiliser aussi pour l'orthographe, le français, si je peux dire, l'orthographe, conjugaison, ça, mathématiques. Parce que moi, là, je vais utiliser, je vais chercher, je vais demander aussi à côté. Mais avant de demander, je vais chercher. Puisque toute bagaille a évolué, toute bagaille a changé. Et ça a obligé mon travail, et puis les petits mamans là, et puis les jeunes. Puisque je ne peux pas transmettre tout ça, monter, apprendre. Ça a passé normal. Donc, moi, si je suis aidé, moi là, et puis ça a obligé yo chercher, ça a obligé yo travailler. Oui, il faut que nous apprenions, il faut que nous aussi, nous parents, l'école là qui a fait taille, mais nous parents, il faut que nous aussi assises là, à côté de cette maman, nous faisons, nous choisissons de naissance. Alors, choisis aussi de trouver le temps pour nous occuper du travail là qu'a fait. Je ne vais pas dire que nous allons remplacer un enseignant, je ne vais jamais dire ça. Mais, nous des petits bagailles pour motiver yo. Nous fait et puis où. Puisque je n'ai pas été professeur d'anglais, d'espagnol, de français, de créole, de tout ça. Mais nous là, nous parents, pour motiver yo, pour obliger yo à aller chercher. Chercher. Maman, je trouvé que cette maman est là, pas assez. Curieux. Hein? Curieux. Curieux. Voilà, vous trouvez bien. Pas assez curieux. Parce que moi, quand je viens, ou d'autres bâillons, l'autre nom, dit les parents, non, hein, les leçons des choses. Je n'étais qu'à apprendre le bagage, hein, les leçons des choses. Moi, quand songe, j'ai monté au primaire, je n'étais qu'à apprendre que mon époule là, qu'à fond, qu'à vivre, côté, qu'à aller, qui n'ont maison, qu'à habiter là. Je n'étais qu'à apprendre sa bâche aussi. Et puis, je n'étais qu'à apprendre ce squelette là, moi, quand il tu livres la thématique, le sont des choses. Donc, nous t'es obligé de compter dans le livre-là. Et puis, peut-être, si l'auteur est à l'académie, mener au déo, peut-être que nous pouvons mener au visiter en fermant côté, et puis, ou pour quoi tout ça, j'en ai. Donc, c'est un moment-là qu'a découvert, qu'a okay. Apprendre. Et puis, là où finit fait ça, c'est mon dada écrit. Font y résumer en laissant ouais, en laissant apprendre, en laissant entendre. Même si c'est une petite phrase comme ça, écrit. Pour ce moment-là, habitué à l'écriture. Moi, j'ai dit ça ouais. Tout le temps. Nous, j'ai dit ça tout le temps ici. Moi, j'ai trouvé que c'était. Ça rend pour des jeunes. En côté, et puis on lit dans le meilleur, on lit en bagaille, on fait en bagaille. Non, jamais. On lit, on lit en portabio. On écrit en portabio. On écrit en portabio et on fait en français. Alors, on nous parle des affaires de faiblesse en français, là, justement, parce que là, on aborde une série de bagailles. Voilà. Question portable, là, question l'écrit, question les parents, qui vont lieu, etc. Est-ce que faut que la dit, Nicolas? Alors, en les questions, là, on parle de baisse du français. Alors, problème l'orthographe là qui a posé quoi en pile. Si bien qu'à un certain stade, je t'ai dit que rendre l'orthographe, l'écriture des mots français plus simple. Et alors là, ça a levé des cas.
problème de, au niveau d'enseignants, au niveau de chercheurs, etc. Est-ce qu'il, parce que ça, faut que ça, qu'il était né en français pour l'élite, pour les et puis en français pour le populaire, quoi. Et donc, le problème s'était posé de savoir est-ce qu'on garde le français, l'orthographe soutenue, parce que l'autre a écrit différemment de ça, Bernabé proposé, nous, Jean-Bernabé proposé au niveau de l'orthographe de, du créole. Ça autant, ça a écrit. Autant, on passe à autant en didan, ou qu'a écrit en didan, A-N-D-I-D-A-N, en didan. Ou qu'a écrit le mot, ou qu'a pris un mot français, ou qu'a écrit le son feu, par exemple, ou peut écrire feu, P-H, éléphant, ou peut écrire le son feu, F, l'étoffe, par exemple, ou peut écrire deux F, le son feu, étoffe avec deux F, etc. Et donc, ça a compliqué, ça a compliqué l'orthographe. Donc, il y a des Français qui étaient qu'à dire, en dehors du fait que le français qui a venu de latin, etc., etc., nous qu'à simplifier les baguettes. Et puis, au niveau orthographe, il y a un problème en moins. Voilà. Mais ça posait problème. Et jusqu'à maintenant, il y a la gagoumère pour savoir est-ce que, alors parce que tu as les personnes qui ont laissé les académiciens, ils ont laissé les baïta là, donc c'est le truc. Et sacré, on ne revient pas sur, sur l'orthographe de l'élite. C'est comme ça que c'est. C'est la beauté la, de la voilà. Langue. La question beauté, voilà. Et puis après, vous rappelez pour les difficultés, puisque mon package, alors là, il y a écrit en les portables, puisqu'on parlait de. C'était le plus, au plus facile, ou pas qu'elle cherchait les PH, ou pas qu'elle cherchait les deux V, ou pas chercher les deux F. C'est écrit en phonétique, et puis ben, il a calé. L'important, c'est que Josiane comprenne ça m'a dit hier, et que Claude comprenne rapidement, elle m'a écrit Vini. D'accord? Donc, il y a ce truc-là au niveau de l'orthographe. Reste à savoir aussi que la grammaire du français, c'est pas n'importe quoi. C'est l'une des grammaires les plus compliquées. Ces histoires de participes passés, là, etc., avec Et dans ce genre C'est-à-dire qu'il y a des complications, il faudrait savoir, est-ce que, bon, le problème, c'est de pleurer sur des choses auxquelles on s'accroche et qui rendent la vie difficile, ou alors faciliter la tâche et puis, bah, pour nous aller, quoi. Oui, mais quand on a un petit bon matin, là, un petit émission, un petit web. Le loup qui a fini par payer. Mm-hmm. Alors, et alors, le slip qui a fini par payer, on compte pas prononcer PIA, on compte pas prononcer le slip. Ah, le slip. Oui, un slip qui a fini par payer aussi. Il a fini par payer aussi, pas prononcer pétala. Oui. Le slip là, mais le P du loup pas prononcer. Donc, il a posé, pour qui il a été capable d'explication. Ou qui, par exemple, c'est des tibailles qui vraiment... Faut connaître l'historique de la langue. Puisque où ça, par exemple, le loup, loup qui a vini du latin, loup pousse. Où tu as le P qui va se retrouver quelque part. Bon, dans la façon de parler, etc., il y a des choses qui se prononcent. Donc, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que la langue doit être un... Alors, nous ne pas comparer. Moi, je ne m'a pas spécialisé la comparaison. Je ne m'a pas fait étudier dans ça, mais en tout cas... Langue finlandaise, il y a loin du français, justement, facilité. Par rapport. En seul son, il y a un seul sens. On pourrait trouver des ambiguïtés qu'on s'en dit dans la langue finlandaise. Ouais. Un peu comme la langue espagnole. Donc, mm-hmm. Pour avoir donc une rapidité d'acquisition, quand même plus rapide. Mm-hmm. D'ailleurs, il n'a pas besoin d'apprendre plusieurs modèles de F. Il apprend le son F et puis c'est fini. Voilà. Alors qu'en français, vous il apprend le son S ou le son C, voilà. Le S, voilà. C. Si tu as deux C, tu as un seul C. Voilà. O, c'est E, A, U, O, c'est O, O, c'est A, U. A, U, tout cas, c'est bien. Donc tu as tout pan, même en pan. Comment on dit pan qu'a écrit, comment on va prononcer. Oui. Le pan, P-A-O-N. Et puis voilà. Et différent du pan du mur. Donc tu vois, donc c'est. Voilà, donc tu as donc, ça au niveau de l'orthographe, la grammaire aussi pose problème. Donc ça, c'est assez complexe. Donc pour acquérir tout ça, il faut quand même du temps. Il faut du temps. Il faut du temps pour permettre à la jeunesse d'acquérir ça. Parce que parallèlement, ça, nous avons des yo. Alors, nous arrivons dans des tragédies mais éducatives, hein, mm-hmm. Des difficultés fondamentales. Le septième est en difficulté. Donc, nous n'avons pas les deux temps. Nous avons dit, bon, le septième est en difficulté, il faut donc faire le travail encore plus. Mm-hmm. Dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Alors, mais le septième est à qui on a gagné en répit,
À qui moment on a gagné un repos, à qui moment on a digéré tout ça qu'il y a à prendre. Donc, c'est pas le. Et sur l'esprit, tu m'en là. Parce que là, il y a une difficulté. Ou quoi, mettez au banc de la vous astigmatisé. Alors, il part dans l'état d'esprit qui permet d'être à l'aise et de continuer. Voilà, donc, il faut, à un certain moment donné, il faut qu'on voit les méthodes, comment, qu'est-ce qu'on. Il y a beaucoup. Et pour nous pas appris, on dit dans la glitter, là, on dit dans la difficulté là. Mais qu'à penser, c'est dès la maternelle pour nous poser les bonnes bases. Pourquoi si on met normalement pas, si on met qu'il y a toutes 80%, 95%, 99% de ces si on met là, ni des capacités cognitives ordinaires, normales, ou qu'il y a toujours, malheureusement, la nature, c'est la nature. Il y a toujours des fois ça qui est super dans le sens. Ou de ça, et puis des fois, c'est arrêtativement en difficulté par rapport. Donc, c'est la nature, mais par rapport à ces petits nombres-là, la grande majorité des enfants sont en mesure d'avoir un apprentissage, je dirais, ordinaire. Donc, mais si on met cet apprentissage-là en route de manière correcte, avec les bons contenus, les bonnes méthodes, le bon accueil, si nous mettons ça en route depuis la maternelle, jamais elle arrive au primaire, il n'y a pas pour des difficultés. Oui, mais là encore, il y a l'esprit aussi idéologiquement, comment il est ça a passé, puisque on y a une école de compétition et qui est adaptée à un certain nombre de petits moments, et si ça n'a pas posé aux pièces calées, genre de problème, ils sont capables d'apprendre, niveau haut, bas, ils sont capables d'apprendre, et puis ils sont mettés en difficulté, ces autres-là qui sont dans la même compétition, et puis qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, ou bien qui n'ont pas les mêmes capacité de l'accompagnement. Et donc, là encore, tu as dit que dès le départ, les problèmes peuvent poser. Pourquoi mettre l'un à côté l'autre des petits moments qui n'ont des niveaux culturels qui sont tout à fait différents? Josiane qui est menée au musée, etc. Claude qui est menée, qui fait ses petits tailles, il a pris l'avion tous les jours. Et puis, moi, ben, mon panier les moyens. Bon, ben, voilà, la rentrée, moi, il y a un gros problème, puisque m'a pris à la gorge, m'a dit côté, moi, j'ai pris l'argent, et m'a fâché contre l'école, puisque il y a quand même une liste longue comme ça, et moi, peux pas. C'est-à-dire que pourquoi il trouve quoi devant des inégalités. Comment on fait? Donc, tous ces bêtes-là, c'est mettre tout ça à plat. Tiens, mais Paris, il a pris au sort là, il est pour aller par l'anglais, il a pris au sort là, il a l'argent, il a les moyens, il a les Londres dans un journée, il a passé un journée, des jours Londres. Voilà. De temps en temps, il va apprendre pas l'anglais. Il va apprendre des bagailles, il y a sujet de conversation, il y a facilité d'élocution, puisqu'il y a des bagailles à raconter, puisqu'il y a un lot bagailles. Il passe par les voyages, il prend valise lit, il fait un série de bagailles, il fait connaissance. Même l'autonomie aussi, il y a une forme d'autonomie, parce que le quoi regarder là-bas, c'est jamais là. Ou quoi frapper, ou quoi des jeunes, mais autonome, il n'y a pas parti loin, il n'y a pas parti tout seul, il n'y a pas prendre un lieu, il n'y a pas aller de l'autre côté. Donc ça, quand même, ça a développé en forme d'autonomie, quand le voyage, forme la jeunesse aussi, pour de nous arriver à faire. Voilà. Hein? Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a l'argent pour faire, il n'y a l'argent aussi pour faire. Il y a l'argent, mais il y a aussi le cadeau aussi qui le permet. Ouais. Ça veut dire que pour les jeunes, c'est plus difficile quand même pour voyager pour nous. Pour voyager, ça veut dire qu'il faut sortir de l'île généralement. Non, si tu veux aller à la Dominique, tu veux aller à Sainte-Lucie, tu veux aller en Jamaïque, etc., qu'est-ce qui t'empêche? C'est juste avoir les sous, tu prends le bateau, tu prends l'avion, etc. Non, mais nous, déjà, si nous ne pouvons pas aller si loin, nous pouvons déjà prendre cette maman et nous, et bien monter, habiter Saint-Anne, monter, pas sentir week-end, grand rivière. Au Jamaïque, grand rivière. Descendre Saint-Anne. C'est ça. Mais oui. Mais ça se fait dans un climat aussi qui n'est pas. Bon, tu as du transport. Voilà, tu as du transport. Tu sais que lorsque tu as mis l'enfant dans le bus, il y a des gens qui vont. Je ne sais plus dans quel pays, au Tekadou, 10h, soit minuit, net matin, mon petit maman est marché dans la rue et puis par en yos. Il n'y a aucun problème de sécurité. Je crois que c'est au Japon. Il n'y a pas de problème de sécurité qu'on s'est posé. Là, on ne peut pas prendre petit maman. Et puis, mettez à grand bus et puis dit à les grands rivières, allez pêcher, allez machin. Là, il partit ou pas ça. Écoutez, grand bus privé. C'est que ça n'est absolument pas normal. Et puis, nous, on a dit, bon, alors, il y a beaucoup de yaka, il faut que. Mais à un moment donné, il faut que nous savons ça nous l'est. Association de parents d'élèves. Non, mais nous avons pour ça. Nous avons fait des propositions, les transports là. Donc, on fait des propositions sérieuses. Non, il y a un moment, il faut que nous puissions arrêter avec ça. Non, ces propositions, nous avons fait, il y a quand même quatre cas du quoi, qui apportent des fruits, qui apportent. Ce n'est pas nous qui décidons. Nous avons fait une proposition, il y a une inertie pour réaliser.
Mais nous avons par exemple nous demandé. Et surtout, nous n'avons pas fait grève pour nous pas empêcher l'école de fonctionner, mais nous avons obtenu une bagaille là. Voilà. Non, nous n'avons pas obligé de faire grève, mais il faudra si tout le monde est conscient que l'éducation s'en va et qu'il peut dire, nous n'avons pas obligé de faire grève. Mais s'il y a des gros associations de parents d'élèves et puis le rectorat, parce que moi, je vous ai dit, l'UPEM avait une force de frappe. L'UPEM n'avait même pas besoin, on disait simplement. Ah, mais jusqu'à maintenant. À l'époque, on ne va pas vous mettre. On disait, moi, quand on disait, nous, donc, collège, moi, tu as dit, bon, ben, on va voir avec l'UPEM. On va prendre contact avec l'UPEM. Mais dans un petit moment, tout fonctionnait, hein? Tout fonctionnait. Oui, non, mais on a quand même un peu. Donc, il nous faut des associations. Et puis, moun a d'un coup. Voilà. Ou abonné à toute association qui n'hésite pas, ni personne n'est plus où. La difficulté, tiens, nous, il faut que nous parlions de ça, des résultats d'élection de parents d'élèves. Nous pourquoi aborder le thème d'élection en fait en octobre là. Nous pourquoi agréger tous ces résultats, c'est pour dire pourquoi proposer le thème là. Eh bien, nous croyons que le taux de participation est faible. Du fait, de côté 3% dans des disciples professionnels, mon gars, 3% mon gars, et on ne demande même pas le panier, même pas obligé de se déplacer, il peut faire part aux Des fois, le paradoxe, c'est que le monde qui est en la liste, le monde qui a porté quand il y a un candidat en la liste là. Bon, ne dis pas ça. C'est même pas. On ne veut même pas t'écouter. Je ne vais pas dire. Non, on a compris. On c'est a pas compris. Non, mais en tout cas, merci pour les parents. Merci pour les parents qui se sont portés candidats, qui ont fait les efforts. Puis merci pour les parents qui ont élu les autres parents. En tout cas, je me rappelle que dans l'État, nous sommes quand même un petit regain par rapport à l'élection. Nous avons qui manière ça a traduit dans la réalité des choses, pour qui manière nous avons organisé toutes ces propositions nous avons fait, qui manière nous avons fait. Très bien. On en reviendra en parlant de l'air. Alors, je sais que Josiane, à un moment, avait parlé parmi les choses qui pouvait aider, c'est dans la santé mentale, faire du sport, pratiquer du sport de façon beaucoup plus importante. L'activité physique. OK. L'activité physique. Alors, je vais approfondir ça une autre fois. Hein. Là, c'est juste... Alors, je dis toujours aux parents, accompagnez vos enfants au moins à la marche. À des visites en forêt, parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des communes, tu as des plans d'eau, tu as des piscines, presque partout aujourd'hui. Presque partout, c'est un petit peu partout. Attends, oui, tu as seul côté qui n'a pas de piscine, c'est dans ma ville natale, Fort-de-France. Moi, pas on dit ça. Mais il n'y a piscine. Il n'y a pas une piscine. Il y a des piscines privées. Il y a des piscines de lycée technique. Oui. Attends. Il y a un bail scolaire. Je ne parle pas de piscine scolaire. Tu vas parler de lycée technique. Tu veux parler de piscine municipale. Je parle de piscine. Il y en a combien à Martinique de piscine municipale? Attends, il y a à Chelcher, il y a longtemps. Ok, on est à toi là, après, continue. Il y a une piscine. Tu as une piscine au François, il n'y a pas une piscine. Oui, on est à 4. Au Aubert. Ah, je ne connais pas. Sainte-Marie, oui, je sais qu'il y a une, mais je ne sais pas. Au Aubert. Je ne connais il pas. Il m'a semblé parce que j'ai des copines qui vont au Aubert en attendant. Il y a, il y a dépassé au Aubert, il y a Sainte-Marie, il y a ça, moi. Non. Bon, bref. Bref, Lorrain. Au Lorrain. On en a 6. Au Lorrain. Et puis, même s'il n'y a pas une piscine, mais il y a un plan d'eau. Nous n'avons ni de l'eau tout partout. Oui. Ni de l'eau tout partout. Par exemple, là, quand elle est chercheur, on est en piscine municipale, mais on est en plan d'eau aussi. Oui, mais toute commune pas ni ça. Mais c'est ça, Malakadou, et puis tu n'es pas ni. Mais non, mais on peut s'en passer à la limite. Ou quoi, non, 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 c'est quoi le problème? C'est moi qui ai parlé de sport. C'est moi qui ai parlé de sport. Donc, si tu n'as pas de plan d'eau. Même si pas ni, eh bien, Malakadou dit ça, et les municipalités n'ont qu'à débrouiller quand eux pour faire plan d'eau. Ils n'ont qu'à débrouiller quand eux pour faire autre chose. Ah, mais pas que non, mais.
Il y a un cahier. On ne va pas finir là. Ça sent notre bail. Ça sent volonté politique ou comme ça qui met en place. Là pour l'éducation. Et elle est là, elle pousse. Voilà. Voilà pour l'éducation. Les affaires, le restant, ça prend les comptes. L'argent, pour c'est l'éducation. Pas, oui. Il y a qu'à trouver l'argent pour faire autre chose. D'accord. Donc il y a pour trouver l'argent pour l'éducation. Parce que même manière, nous appelons, parce que tous les week-ends, nous avons un hichet à nous. Et pour quelle manière nous ne pouvons pas trouver l'argent pour empêcher parce que c'est jeune quand tu es jeune. Hein? Et puis tu n'as pas qu'à trouver l'argent pour créer et côté pour y aller et faire tir si on vit tir, il m'a pas ça. Alors, comment vous voulez dire faire tir? Non, mais il y a un autre côté. Il y a un loba, il peut faire quand même. Il y a un loba, il peut faire. Alors, il y a un loba, il peut faire. Non, là, je ne suis pas là pour la critique. Je suis là pour l'amélioration de l'épanouissement, enfin, pour l'épanouissement de nos jeunes. Oui, en tout cas. Je suis là pour ça. Donc, j'ai parlé de piscine, de plan d'eau. Bon. Ensuite, il y a pas mal d'endroits où on va, où il y a des. Pour marcher. Allez, comme on dit, parcours santé. Mettez parcours santé tout partout. Et puis, il ne suffit pas de mettre ça là, mais il faudrait peut-être, c'est ce que je disais à moi, Oulon. À Oulon. Peut-être que. Il nous manque des encadrements. Je parle d'enfants, de jeunes, d'enfants. Je ne parle pas d'adultes, je parle d'enfants. Il manque peut-être des personnes des professionnels, formées des professionnels. Pour encadrer ces jeunes-là. Des voitures, des voies pour les aider à y aller. Transport. Pour les aider à y aller. Parce que si on n'est pas en bus, déjà, je ne vais pas même trouver une pour aller avec les médecins. Alors, si vous n'êtes pas en bus, vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas dire, on voit ton enfant, puisqu'il n'est pas encadré. Ça, c'est quelque chose à il faut y réfléchir. Alors, on était dans une réunion, mais il faut une proposition, parce qu'il y a une question. Au lieu de nous parler de transport scolaire, mais oui. Parler de le transport des scolaires. Ça veut dire que. Ça a été un pillage que le transport scolaire. Ça veut dire que c'est seulement pour l'école, mais le transport scolaire, pour le sport, pour les loisirs. Voilà. Pour les loisirs. Oui, il faut qu'on ait ça. Il faut qu'on ait des transports. Parce qu'il y a pas mal de transports pour tout bagaille. Oui. Transporter Tala qui a cherché travail là, transporter les gens qui a fait affaire, transporter les gens qui ont fait affaire. Oui, mais là, nous, collègues, il y en a l'autre pour devenir chez nous. Oui, c'est pour Martinique, c'est pas seulement. Nous non, mais pour tu as parlé de parcours santé, par exemple. Il y a des endroits où tu as des parcours santé, mais il n'a pas entretenu. Voilà. Et il a moins connu, par exemple, parce qu'il n'y a pas la finance qui suit. Donc, il y a même des fois béni d'un jour, existant des fois. Voilà. Parce que si nous parlons de Timomay, peut-être ça va aller plus vite que si je parle de Dimoy. Alors, moi, je préfère parler de 17e mai, là. Puisque nous, là, pour améliorer l'épanouissement de Timomay, nous. Oui, mais tu disais que les parents qui amènent en marche, oui. Nous, même qui amènent les petits genoux en marche, nous avons participé, oui. C'est tout le monde qui a... Parce que les petits mamans, que maman là, papa là, bon, mais ils n'y partent pas là, mon d'accord, et puis ils m'ont dit, mais ils n'y partent pas aussi, et ils n'y des associations, on les connaît, qui a conduit, encadré les mamans pour aller faire tennis, aller... n'importe aller pour le loisir, pour le machin. Et puis, ni des camps qui à disposition, ces Timomay-là. Parce que ni Timomay, c'est ça, nous te l'a dit, toujours ni en partie qui peut évoluer tranquillement, parce que les parents ni la possibilité d'y mener. Et puis, ni Tizouzou, qui de goutte là. Eh bien, il n'y a pas rien pour faire. Eh bien, il a filmé, il a marché, il n'y a rien pour faire. En différence, et puis, Paris. Oui, mais quittez Paris sans l'auto. Quittez Paris, fais ça. Non, c'est un exemple, c'est qui a renforcé ça, nous a dit, le Paris, ou bien, là, sans l'auto. Non, mais ça va contribuer. Pour comparer, ça contribue. Quand tu as des transports, des moyens de transport, ça contribue à une réussite éducative aussi. Voilà. Donc, c'est un élément qui est indispensable à la réussite scolaire. Pourquoi tu n'en avais pas livré à 4h du matin pour aller à l'école? Mais non.
Comment dire maintenant à Paris l'école là? Comment est-ce que... Et puis, je vois qu'un parent a dit qu'il s'était dit sortir mais qu'il a rentré au caillou. Et le lendemain, il faudrait qu'il parte à 4h. À quelle heure il a fait travail, il a posé, parce que c'est des tirs. Le transport n'a pas réglé, mais on peut organiser ce territoire là, pour qu'on y ait un lycée qui n'est pas trop loin, on peut organiser le processus de formation, on peut mettre y en a dans chaque l'éducation bassin, à bagaille pour que ces gamins là puissent trouver. Qui ça nous a fait l'éducation? Ou bien mettre l'intérieur, la spécialité à Pagnan Lotiman, et bien la pointue, d'accord, en même temps, on peut mettre l'intérieur à Bayo. Ou quoi aider les parents? Oui, oui. Non, mais nous avons discuté là, mais question, nous avons parlé d'éducation, etc. Question de transport là, nous avons été à la fondamentale. Il faut qu'elle pose ça. Je ne vais pas aller, il ne faut pas y aller. L'aménagement du territoire. Aménagement du territoire. Si tu veux. Il faudrait dire, alors, où nous raisons. Aménagement du territoire. Parce que tu me fais utiliser les gros mots. Parce que je ne vais pas comprendre. Aménagement du territoire. Oui, en créole, il faut que nous mettions toute bagaille là, apporter tout le monde. Apporter tout le monde pour que tout le monde. Soit ça apporte immédiat ou pas à pied. Si ce n'est pas à pied, ben on organiser pour vivre là un peu longtemps, mais oui. Ou bien aller plus mais facilement oui. Là pour vivre voilà. Bon caillou. Regardez ça, et ça voilà. Et l'égalité, ça l'égalité, va déjà c'est beaucoup déjà plus bon. Avancé mais à niveau oui. Là. En même temps, nous pas besoin de REP encore, nous pas besoin de REP plus. Hein. Ça, non, fait... tout le monde est capable. Il faut poser des affaires de REP plus là, pour qu'il nous n'y ait autant, tu t'en rends compte, 50% REP plus, tu m'en vas à dans les écoles, parce qu'il y a une situation dont tu m'en défavorisé. Ça, ça c'est un bagage qui est alarmant aussi. Qui est alarmant, donc ça veut dire qu'il faut... Elle ne s'est pas améliorée, ça qu'elle en améliore, puisque... Mais nous avons venu de plus en plus de plus en plus pauvres. Donc aussi, il faut que nous allions améliorer les conditions sociales, le chômage, il faut que nous diminuions, le et travail, il faut que nous... Et puis aussi, valoriser le travail. Parce voilà, que les gens qui travaillent, malgré les efforts qu'ils ont fait, ils n'ont pas toujours les moyens pour avoir une éducation oui, mais si, si, déjà, on n'a pas les moyens. On est... Je peux prendre mon mari en charge pour faire pour les loisirs. Je peux parler d'un cadeau. Je peux aider pour aller faire foot, aller faire ça. Bon. Ça, a déjà. Et, ça a déjà amené au courage. Ça a déjà amélioré vie. Parce que vous savez que Timo Mayou est bien. Bien pris en charge. Bien pris. C'est ça, c'est dans des pays comme la Finlande, c'est comme ça. Tu as dit que Timo Mayou est là, ce n'est pas simplement Timo Mayou, Josiane, Timo Mayou, Claude. C'est l'État qui a pris Timo Mayou là en charge. C'est-à-dire que assurer en série de bagages, vraiment, j'ai Timo Mayou là, ça garantit Timo Mayou là, canne, les parents, papa, ni droit à congé parental, maman, ni droit à congé parental, là, il a déplacé, là, ni des transports, il ni toute une série de bagages qui mis à disposition pour encourager et bas ses parents, qui prennent plus de liberté. Et là encore, la question de l'égalité ou quoi arriver. Mais ça, c'est une question d'idéologie, de système. Parce que ce n'est pas le chacun pour soi et puis débrouillez-vous. Dieu pour l'accompagner. Voilà, débrouillez-vous. Bon, par exemple, Makali, là, l'activité physique n'est pas réservée à seulement ceux qui veulent maigrir. Alors, depuis qu'on parle d'activité physique, nous avons l'autre affaire. Ah, mais on parle de maigrir. Ou bien, papa, vous avez maigri. Ah, papa, vous avez maigri. C'est ça qui mais l'activité physique pas faite pour ça. Il fait pour aider. Alors, nous avons parlé de Timo Mayou. Oui. Il a dit c'est fait pour aider les enfants à grandir. Et puis nous, voilà. À bien vieillir. Ou bien, oui, ou bien, bien grandir, ou bien vieillir, bien tout ça. Voilà. Mais tout, le corps est fait, c'est pour qu'il bat quoi il mouvement. Oui. S'il si pas bat quoi il mouvement, quand il osait, et puis nous en bêtise. On est donc, bébé, autant hein. Accompagner ce Timo Mayou là, et puis voilà, voilà. Ça. Et puis nous là, pas on regarde ce type, on regarde du bébé, hein, le bébé nous, hein. Il est au cas, avant là, il était carné, j'ai été fermé, parce qu'il a bougé, il ne fallait pas te bruit, faire bruit, puis pas te trapper mal, tête mal, ceci, mal seul. La journée, aujourd'hui, il peut même venir, ils ont couru, passé où on est avant là. Non, mais c'est vrai, il faut avoir les enfants qui naissent maintenant. Il y a tout pareil. Donc, et puis, il y a mettez quoi en mouvement. Non, tu as un marché qui a parlé. Mon Dieu. Avant, c'était exceptionnel. Mais oui. La présence à Abidjan. Oui. Donc, nous, en pays, nous là pour réfléchir, on est qui ça. On ne peut pas s'étendre, nous avons dit ah, c'est la violence. Ah, mon Dieu, c'est la violence. Ah, il a tué. Ah, il a tué. Un petit jeune, mais ils ont tué. Mais petit jeune, ils ont tué.
qui ça nous fait pour t'éviter ça? Eh bien, mettez comme nous au travail. Mm-hmm. Nous, moi, mon avis, mon cas dit ça pour mettre les jeunes au travail. Hein? Voilà. Alors, ça qui est intéressant, nous, la gaffe après-midi, c'est-à-dire que nous partons de problèmes de baisse niveau scolaire là, pour nous voir que c'est un problème qui est global, systémique. Que tout le monde, voilà, c'est un système qui n'est pas calé. Chaque monde a dit, qu'ils se soient individuellement, les parents qui ont occupé de cette maman là, qui a baillé les motivations, mais qui a baillé aussi la bonne alimentation, qui a baillé aussi bonne alimentation d'abord à la maison. Ils ont fait des anniversaires dans des endroits bien machin là, et qu'on s'est considéré c'est vrai qui meilleur alors que nous savons que ça a posé problème. Donc, au niveau de l'alimentation, menons pour nous et puis nous pas qu'à l'aider. Mais faut-il folie un jour ou ça? Ça ne doit pas être une folie, c'est de la bêtise, parce qu'on sait que ce qu'il mange, ce n'est pas de la bonne chose. Donc, c'est de la folie. Attends, on va faire un truc sur la question de l'alimentation. Je vais rappeler, les jeunes étaient là la dernière fois. Hein. On mange beaucoup de cochonneries, et puis après, on se plaint. Oui. Tu as parlé de sport, c'est pour seulement, c'est pas pour seulement. Hein. Pourquoi les gens prennent un petit peu de poids là, lorsqu'ils ne pour après, pourquoi le plaisir d'aller maigrir après, ben là, que c'est difficile. Hein? Non, mais bonne alimentation, apprendre à aimer comme nous, donc aimer ish nous, bon sommeil, veiller à ce que y en la vie équilibrée, avec moins de frustration, parce que les grands machins là, les grandes affiches là, c'est des tourments. J'ai même pas parlé de la question du portable. Mon Dieu. J'ai même pas parlé, parce que ça pourrit la vie des enfants. Entends-nous, c'était les affaires de télévision. Nous, déjà, Tibou Esclave, c'est là nous t'es qu'à rentrer à la maison quand on tenait problème et puis la télévision. Mais là, toute la journée, Timon Mike a baladé pour eux et puis Bayou. D'ailleurs, la suite qui vient les affaires numériques là, il va faire marche arrière. Il va faire marche arrière. Dans les affaires enseignement du numérique là, il y a les vieux au livre. Hein. Alors, il a commencé à vivre en livre ensuite. Ah. Donc, ça a posé un problème de concentration, un problème d'apprentissage malgré tout. Quand même, c'est surtout problème numérique là, c'est la distraction que ça a produit. Oui, la concentration, puis la lumière aussi, l'adaptation visuelle. Mais c'est l'ennemi de l'école, parce que l'enfant a son portable, il a tout, il n'a même pas besoin de manger, pas besoin de bruit, pas besoin de maman, pas besoin de papa. C'est ça une impression, je dis ça entre guillemets. Il n'a pas besoin de rien, l'ennemi portable là, pas dérangé. Toi, tu dis que tu vas utiliser le portable pour lui dire allons chercher quelque chose. Mais non, c'est pas, il va pas portable là pour y apprendre ça, ça le volcan, etc. Il n'y intérêt à les portables là, ça devient l'ennemi de l'école parce que les professeurs ou bien les parents qui disent mais a déposé ça, c'est un problème. Donc quand nous n'y a analysé, nous quoi parler d'évolution, de modernisation, de etc. Mais il faudrait savoir les limites que nous allons donner à notre vie pour rester dans un certain équilibre, parce que nous mettons que nous en danger sous prétexte d'évolution de la société. Mais je ne sais pas quand vous avez un dictionnaire. Oui. Je vais poser une question. Vous avez ça, le dictionnaire sur votre portable. Il peut toujours courir. Est-ce qu'une calculatrice, des fois, je dis que les parents n'ont pas même acheté une calculatrice, ils ont un portable. Pourquoi c'est une application qui a fait calculatrice? Pourquoi me disent non, pas une calculatrice installée dans les portables? Pourquoi me disent méchant calculatrice scientifique? Ah bon, parfois, moi, tu as mis des calculatrices parce qu'au moment de faire les moyennes, tu as 10 plus 10, c'est 9. Quelle moyenne ça te fait? Je ne sais pas, madame, il faut qu'il cherche dans le portable. Non, mais on a des. Donc il faut que, par exemple, même portable, ça peut être un outil, c'est pas seulement un objet de distraction, ça peut être un outil d'instruction, un outil de développement. Voilà, il faut pas que ça devienne un ennemi. Parce que je te dis, l'histoire de portable, on va me dire que j'ai quelque chose personnellement contre le portable, mais portable dans les mains de Timomei. Je vois, bon matin, il y a un manque à identifier, pour qu'à garder Timomei, il doit avoir 3-4 ans. L'enfant est dans son truc. Alors, on est 4 dans la salle d'attente. Bon, il doit me dire, là, il n'y a pas ni avant, nous n'avons ni des petits journaux, mais pas ça, si c'est qu'il y a dentiste à autour. Et puis, ça fait Covid, là, il dirait ça. Donc, il n'y a pas ni petits journaux, là, hein. Donc, tu m'as là, ni portable, nous, à quatre, dans la salle d'attente, là, quatre grands mouns, et puis, des petits moments, chaque petit moment, là, ni portable, yo, tout le monde, là, dans le portable. Et moi, vivant, pas qu'un copier, monter dans le CSP, là. Il y a un moment, il est là, et puis, petit moment, il est. À un moment donné, nous avons dit qu'il n'y a crié. Alors, viens regarder l'autre. Puis certainement, il ne faut pas trop reprendre les chemins parce qu'il n'y a pas content. Et moi, j'ai dit pour toi aussi, il a dit ça vivement. Alors, tu m'as dit qu'il n'y a crié. Il doit tenir, il m'a pas ça. En an et demi, il me semble, puisqu'il était en poussette. Quand madame, ma maman, qui a sorti pour un tablier, et puis, il a montré, petit maman, il a,
Moi, vous savez, ni enregistré en l'air. Il a montré Timamaya là, ça. Timamaya là, il a arrêté de crier. Et puis, il a ri, content, mon Dieu, il a joué. Les images. On y... Enfin, ça, c'est moi. Peut-être que c'est vieux jeu. Mm. Mais je me dis, on est en Timamaya comme ça. Il n'y a pas ni en doudou. Il pas ni. Vous savez, c'était le livre là. Oui. Et qui a fait petit bruit, petit bagaille. Qui a fait ce fait voilà. Musique là, en plastique. Ça, qui a fait petit musique là. Pourquoi mettre ça? Et puis tu m'as habitué. Non, il a. Il a crié. Bon. Ah, oui. Ça, c'était ça. Oui. Bon. Moi, personne pas. Actuellement, personne ne dit rien parce qu'il ne faut pas répondre ni chemin. Moi, dans un magasin, je suis un petit maman, il doit tenir 4 ans. Là, dans un magasin, tout le monde est entré, sorti là. Et je m'attends, depuis quelque temps, il est né en crise de bronchiolite. L'hôpital, cette maman est là, très malade, et ça a embêté le personnel soignant. Mm. Puisque si je dis ça, c'est parce que je m'attends, il est venu dire ça. Or, quand cette maman est là, tout en tant que personne, je suis approché, je dis maman, je dis maman comme ça, madame, faites attention, parce que l'enfant a les doigts dans la bouche. Ce n'est pas très propre. Hein? Est-ce que vous n'en avez pas des lingettes, des trucs comme ça? L'enfant a ses doigts comme ça dans la bouche. Ça. Mon Dieu, c'est madame la TP physique, maman, moi. Tellement. Non, non, la dame n'était pas contente. La dame m'a regardé. Et l'enfant a continué à manger ses doigts. Il se fabrique ses anticorps, c'est ça, madame, t'es dit. Bon, voilà. Ouais, parce qu'il y a des gens, les gens qui viennent d'ailleurs, là, ben, tu vois, les enfants se roulent par terre, ils m'ont changé, ils tenaient à côté. Et puis, encore, madame dit, bon, ben, pas quitter jamais là. Ben, madame l'a dit, mais non, ne vous en occupez pas, l'enfant se forme ses anticorps et puis quitter tranquille, quoi. Non, chaque monde a quand même l'éducation qu'il est. Soit peut-être que nous, on a tendance à peut-être très à couver les petits mamans, peut-être trop par rapport à d'autres. Mais là, c'est pas couvé. Là, c'est pas couvé. Là, c'est pas couvé. C'est éducation forte. Mais écoutez, là, c'est pas couvé. Les enfants sont malades en ce moment. Il y a beaucoup d'enfants hospitalisés. Les médecins disent souvent, les médecins viennent dire à la télé ou à la radio. Faites attention. Attention aux mains. Lavez les mains. On a dû ici cette lichli. Alors, qui t'a dit ça? Pour qui peut dire ça? Pour qui peut dire ça? Oui, c'est un manière pour te dire, moi, tu peux dire ça en faire. Non, mais c'est clair. Mais bon, c'est bon. En tout cas, bon, la question du niveau scolaire, elle est préoccupante. En tout cas, elle pose des problèmes de fond. Le système là, base système là, et puis, mais c'est vrai que nous pouvons prendre en les différents sens, hein, en différents plans. Qu'est-ce qui peut améliorer les choses, etc. Sur la nature, le sport, relation nous et petit maman, relation entre les parents et puis l'école là. Parce que bon, là encore, hein, nous avons parlé d'un niveau scolaire qui a baissé, mais qui a des désintérêts aussi, c'est sûr, mais là, par rapport à l'école là. Si par exemple à la rentrée, la préoccupation, c'est le prix des livres, c'est la liste scolaire parce que ça a mis les parents en difficulté, quel rapport tu as entre l'école et la famille, bon, ça pose problème. C'est-à-dire qu'au niveau de la société, la question de l'argent, la question de la finance, ça pèse dans le débat. Si tu as un État qui considère qu'il y a une éducation qui doit être prise par l'État, etc., etc., bon, tout en accordant une importance maximum à la question de l'école, les choses peuvent changer. Mais il ne faut pas... Et puis, nous, il y a des changements aussi à un autre niveau. L'école là, quand on parle de l'école à présent, tu parles de harcèlement. Alors, l'école devient non pas un lieu où tu vas rencontrer des amis, etc. Parce que tu es comment dire, tu aimes l'école, parce qu'il y a des amis. Mais ouais, là, ça devient lieu de, voilà, un lieu de la crainte, la paix, les agressions, et etc., etc. Donc, il faut apaiser toutes ces baguettes-là et puis mettre dans l'autre situation pour que. Faites du sport pour apaiser eux. Faire du sport, mener dans la nature. Mener dans la nature, faire soulager les parents qui ont en difficulté, oui. Prendre les bagailles différemment. Non, mais, quoi. Mais tout ça qui a convergé, ben, c'est l'état d'esprit, c'est rendre l'éducation prioritaire pour nous. Voilà. Et puis, si nous décidons l'éducation prioritaire, nous allons arriver à résoudre peut-être qu'on dit c'est des. Voilà. De toute façon, chaque fois que tu dis l'éducation prioritaire, moi je dis l'être humain.
Parce que c'est ça qui a nous qui a déshumanisé nous en quelque part, puisque on ne prend pas en compte, parce que l'épanouissement de l'enfant, c'est pas, ça ne devrait pas être ses résultats scolaires à un moment donné, non, mais, tu vois. Non, mais pour moi, quand je dis l'éducation prioritaire, ce n'est pas le résultat, c'est justement le bien-être. Le bien-être. C'est-à-dire l'éducation, c'est que là, voilà, mais le bien-être de l'enfant, hein? Je veux bien, mais le bien-être de l'enfant, c'est pas quand tu le mets dans une salle de classe, c'est quand tu le mets en compétition avec les autres, c'est tout quand tu le mets en difficulté. Donc il faut déjà, au départ, changer le modèle. Changer de modèle, changer ce système-là. Il faut supprimer les notes. Ah, pas seulement les notes, il faut tu parlais de l'égalité. L'égalité à l'école, c'est pas l'école qui peut rendre belle là. C'est un système économique et social, politique qui gagne les bagailles là. Différents. On aura peut-être l'occasion d'aborder l'égalité. Les... Est-ce qu'on peut prôner l'égalité? Je ne sais pas. Tu as vu? Parce qu'on n'est pas égal, hein, devant. On est tous différents. On est différents. L'égalité, c'est le droit à la différence. Tu ne veux pas dire ça, il dit qu'il n'y a pas assez d'autres. Ce n'est pas normal qu'en Martinique, on se retrouve avec 50% de REP. Et quand tu as des REP plus, etc., etc., il y a un problème qui va. Mais, s'accentuer, mais... puisque nous avons pas dit paupériser, nous avons pauvri, nous avons venu plus pauvre. Donc, il faut prendre les choses à bras le corps. Chaque monde n'en a pas taille pour y porter. On arrive presque à la fin de l'émission, mais avec beaucoup d'optimisme. Le premier qui n'y pas taille, c'est l'État. Voilà. L'État, c'est qui il est? L'État, c'est nous. Non, c'est nous qui nous pousser l'État. Parce que... Peut-être que je n'ai pas dit de développer l'État là-là. C'est que je n'ai pas compris qu'il y a dans l'État... en nation, et puis ni en différence des inégalités territoriales aussi importantes. Mais entre deux maisons, on regarde déjà la difficulté qui existe entre deux personnes, deux familles, l'une à côté de l'autre. Tu vas retrouver ces familles-là dans des endroits. Pas dans d'autres endroits. Il y a de ça aussi. Pas dans ce sens-là. Mais je ne veux pas. Je vais être délicat. Je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés. Je ne vais pas les interpréter là. Je ne vais pas les dire là ce soir. Parce que nous, à la fin de l'émission, je ne vais pas t'expliquer comment. Je vais dire un aparté. Mais en tout cas, l'État qui a organisé en ségrégation sociale. L'État qui a organisé en ségrégation sociale. En apartheid social. L'État. L'organise. Ben oui. Je dis, je ne vais pas plus loin. La vie n'est pas chère, pour conclure mon propos, la vie n'est pas chère pour tout le monde en Martinique. C'est ça, ni en Martinique, ni ailleurs. Ça ne veut pas dire. Nous finis vivre. Non, mais c'est ça. Non, comme c'est la fin de l'émission, je ne veux pas lancer le débat. C'est ça. C'est une question de système. On est un système capitaliste où on trouve normal qu'il y en ait qui y ont et qu'il y en ait qui n'en ont pas. Et nous apprécions parce qu'il y a Jean-Michel. Quand le système est organisé par l'État, c'est pas bon. Jean-Michel a dit qu'il reste une minute. Attends, je vais répondre à... Il reste une minute. Oui, dame d'amour, il faut des beaux voix, dame d'amour. Je réponds rapidement. Oui. Et tu parles des gens qui ont... Dans tous les systèmes, quel que soit le système, tu as ça. Ceux qui sont à l'étage et ceux qui sont au pied de l'échelle. On va te dire que non, mais on va approfondir dans une autre émission. Ce n'est pas tous les systèmes. Pas dans le système qu'on veut, en tout pas cas. Pas dans le système que nous, on veut. Parce qu'on vise un autre système. Le système que vous allez inventer. Voilà, qu'on va inventer. Dans notre utopie, ce n'est pas comme ça. Voilà. OK. Alors, nous, quand nous avons rêvé, puis nous, dans l'utopie, c'est ça qui fait que nous allons avancer. On va dire au revoir à Claude avant de dire au revoir. Un bel bonsoir, puis on est content que nous tenions un petit débat. Entre nous, mais tout à fait toujours aussi intéressant que d'habitude. On va dire au revoir, madame. Mais qu'est-ce que ça m'a qu'elle dit? Beaucoup d'amour. Et puis, m'en définir. Et puis, si il y a d'autres monde qui peut trouver d'autres définitions, eh bien, on y va. En tout cas, nous savons l'amour, c'est ça qui permet de nous avancer. Il y a qu'à apprendre nous. Nous détester comme nous entre nous, en tout cas, nous émettre comme nous entre nous, Martinique, déjà nous réconcilier comme nous entre nous, Martinique, on nous fait toutes bagailles pour aimer et nous montrer que nous aimons, et puis ensemble, nous allons avancer certainement. Donc, à 10 autres, bye bye, à bientôt, et puis à un autre moment, portez-vous bien. Bye bye.